Salut tout le monde, c'est SockFreeLinan7, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se trouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous avez pu voir dans le titre et la miniature, je vais vous présenter quelques items, quelques récompenses que vous pourrez avoir dans le tableau de score ou le pass de combat de la saison 6 qui va arriver prochainement. Donc évidemment, quelques items, quelques récompenses. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné moi-même les plus beaux, entre guillemets, les plus intéressants, que je trouvais en tout cas pour ma part. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Voilà. Pour éviter que la vidéo fasse non plus 20 minutes, 30 minutes, ça sert à rien. Surtout, je vais surtout blablater et dire mon avis sur le sujet. C'est aussi la première fois que je réalise ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo pour chaque passe de combat, chaque tableau de score de chaque saison, ou bien des vidéos infos sur ce qui va arriver sur Fallout à l'avenir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, parce que j'aimerais bien le faire. Mais jusqu'ici, je ne trouvais pas le temps pour le faire. Et on m'a beaucoup poussé à le faire. Donc merci à tous ceux qui m'ont poussé à le faire. Parodius, Nolan, et tout ça avec qui je joue de temps à autre sur ce jeu. Donc merci à vous. Et puis si vous voulez que je fasse encore des vidéos infos sur l'avenir du jeu, c'est ce qui va être ajouté à l'avenir, n'hésitez pas du coup à me le mettre dans les commentaires. Donc commençons par le commencement. Voici du coup le tableau. Le tableau qui a une forme géométrique différente que les précédents, que je trouve plus joli, plus intéressant et, à mon avis, plus facile à mettre sur un mur dans notre camp, comparé au triangle un peu fait à l'arrache des précédents. Voilà, avec déjà des illustrations beaucoup plus belles. Nous pouvons voir aussi un petit bonhomme avec un scaphandre, on dirait un extraterrestre. D'ailleurs, je pense même qu'il y a un ovni au-dessus de lui, je vois pas bien. Voilà. Des tenues de samouraï, d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a même deux skins. D'armure assistée samouraï entre guillemets, hein, du moins ça ressemble assez fort. Donc il y a, vous pouvez le voir, hein, il est marqué samouraï et pyramido, skin, que sais, j'en sais rien, voilà, vous voyez bien, c'est une espèce de momie. Ensuite nous avons Grognak le barbare, le grand, l'unique, Schwarzenegger évidemment, la puissance musculeuse présente, très joli aussi. Ensuite nous avons, oui donc ça c'est les femmes du mystère, hein, la secte des femmes, vous savez, il y a une mission d'ailleurs, une quête comme ça sur le jeu, Fallout 76, avec que des femmes, c'est une espèce de secte, comme ça, le truc du mystère, je sais plus trop quoi, voilà. Ah, ensuite nous avons Silver Shroud, évidemment tout le monde le connaît, j'ai pas besoin d'en parler, vous connaissez Silver Shroud. Ensuite nous avons une inspectrice, ou il marquait inspector, mais en tout cas c'est une femme, normalement, qui est à la classe quand même aussi, elle est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons, alors ça me fait rire, Mantaman. Pour éviter, alors ils ont, évidemment c'est Aquaman, vous l'aurez compris, mais pour éviter les soucis, ils ont mis Mantaman. C'est vrai que c'est pas trop mal. Bref, assez stylé aussi, qui chevauche un hippocampe mutant, voilà. Et puis voilà, on a fait vraiment tout le tour, hein. The Unstoppable, The Diabolical, c'est vraiment pas mal. En tout cas, pour ce qui est du pass de combat, la forme, le design ainsi que l'illustration, je trouve mieux que les précédents. Ensuite, nous avons plusieurs autres items. Évidemment, je ne vais pas tous les citer localement, mais vous les verrez sur votre écran. Il y a des items pour le camp, évidemment, en parlant de portails, de barrières, etc., etc. Même le truc qu'on met sur le côté. Qu'on retrouve dans la catégorie défense, voilà, donc les petites barrières hein, si vous voulez. Et puis ben, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir aussi qu'il y a, il semblerait-il, et d'après ce que je lis et ce que je comprends, un nouveau établi, du moins un skin, hein, parce que c'est un skin, ou peut-être que ce sera un truc à part, évidemment, je ne sais pas, mais je pense que c'est surtout un skin, d'accord, un escalier assez formidable, assez beau, assez... qu'on pourrait retrouver dans les manoirs, dans les anciens manoirs des années 50, 60, quelque chose comme ça, américain, très très beau, très joli, très design, que j'aime beaucoup en tout cas. Voilà. Ensuite, nous pouvons retrouver aussi une cabane.
Une cabane, est-ce que c'est une tente? À mon avis, je pense que c'est une tente qu'on va pouvoir poser comme une tente, hein, tout simplement, un skin de tente pour les joueurs first. Hein, voilà. Si vous regardez bien, il y a de quoi faire à manger, la petite casserole. À gauche, vous avez de quoi gratter pour faire, vous savez, la guitare, etc. Et à l'intérieur, vous avez sûrement, et je le vois d'ailleurs même, un homme phalène, un squelette, et de quoi ranger les affaires. Donc, à mon avis, c'est sûrement un skin de tente, quelque chose comme ça, que je trouve assez original, du moins ça change de ce qu'on a, même si je préfère largement le tank, évidemment. Voilà. Et là, ensuite, on parlait tout à l'heure, du moins j'en parlais tout à l'heure au début de vidéo, le skin de l'armure assistée samouraï. Voilà, donc c'est un skin. C'est un skin assez, assez spécial. Il y en a deux d'ailleurs, hein, donc le premier, que vous voyez certainement à l'écran, et ensuite le deuxième, le voici, le voilà, un peu plus coloré, un peu plus propre, en meilleur état aussi, j'ai l'impression, un peu plus doré, voilà. J'aime mieux celui-ci, même si le rouge me fait penser à la Chine communiste, tout ça, ce que je n'aime pas forcément. Donc j'opterai peut-être pour le premier skin, ou du moins, si je mets, ce sera jamais que pour décorer dans un abri ou dans mon camp, comme déco. Et puis voilà, peut-être qu'elle aura des stats. Peut-être que le skin apportera des stats. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, je le trouve, malgré qu'il y ait du rouge dessus, et même un peu trop, assez stylé pour, évidemment, la couleur dorée, or, qu'il y a dessus, que je trouve assez sympathique. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que je vous ai montré ici, actuellement. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis. Twitch en description, je fais des lives tous les vendredis, samedi, dimanche à des heures assez sympathiques. Discord si vous avez quoi que ce soit comme problème, des questions, rechercher des joueurs pour jouer avec vous dans les Appalaches, vendre, acheter, du trade, parler de tout derrière, poster des fanarts aussi, pourquoi pas, voilà. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez toujours pas fait, et moi du coup je vous dis, bye tout le monde.